de drôle de pistolet. Il marche sur la tête, même quand c'est pas la fête. Sol n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Sol le drôle de pistolet. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les batte. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un joyeux verre. Sol les Gobelet, sans le drôle de pistolet. Sol les Gobelet, sans le drôle de pistolet. Qu'on est bien dans notre chambrelette mignonnette. On occupe ses menettes. Je suis Cotinette et tu Bilboquette. Ma petite âme est rose de bonheur, ravissons. Et Yo-Yo qui dort enfin. Oui, c'est pas sûr, des fois elle fait semblant. Comment le sais-tu qu'il fait semblant? Attends, je vais t'expliquer. Des fois elle ferme ses yeux très durs et il ronfle. L'autre jour, il m'a fait ça toute la nuit. Quelle croûte! Yo-Yo! Ah non, dis, tu vas pas le réveiller? Il faut bien vérificationner. Yo-Yo! C'est, il veut savoir si tu dormais vraiment. Oh, et c'est pour ça qu'il me réveille, hein? Papa, oh, empêcheur de dormir! Bon, bah ça va, maintenant tu peux te recoucher, hein? Oh, j'ai plus le goût! Allez, dodo! J'ai plus le goût! J'ai dit dodo! Prout! Ouais, comment tu dis ça? Prout! Je savais que ça pouvait pas durer. On était trop bien dans notre chambrelette mignonnette. Je tricotinais et toi tu bilboquetais. Oui, oui. Oui, et pendant ce temps, pendant ce temps, la tirelette est bidonnette et mon ventre lent crie fabelette. Qu'est-ce que ça veut dire ça, la tirelette est bidonnette? Oui, ça veut dire que j'ai faim, qu'il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus un sou dans la tirelire. Il y en a des sous parce que j'en ai mis moi-même quand j'ai vendu notre brosse à dents. Oh, allez vite. Il y a des sous. Allez vite. Il y a des sous. Seul, va chercher la tirelire. Attends, attends. Je vais te donner la preuve. Je dis prout à ta preuve. La tirelire. Je vais te dire une chose. T'occupe pas la tirelire. Oh, il a l'or. La voilà. Mais je vais te dire une chose. Elle est raide, celle-là. Elle est pas raide, elle est vide. Oh. C'est ça, je voulais te dire. Ah, parce que tu le savais, toi aussi. Oh, tu parles. C'est lui qui a dépensé tous les sous. Non, ne l'avouez pas, je vais t'expliquer alors. Il y a le petit Yo-Yo, ce matin dans la promenade, il me disait alors, ça te fait plaisir quand je mange beaucoup? J'ai dit oui, tu parles. Alors il dit, si tu vas avoir beaucoup de plaisir, faut acheter beaucoup de cacahuètes. Alors t'as acheté beaucoup de cacahuètes. Et Yo-Yo, on a mangé beaucoup. Et ça lui a fait beaucoup plaisir. Oh, oui, très énormément, moi aussi d'ailleurs. Espèce de croûte, tu t'es fait avoir. Oh, pourquoi oiseau têtu? Pourquoi t'es-tu pas tu? Oh, dis donc, je n'aime pas ça les histoires, hein. Je vais aller faire dodo. Ouais, ben comme ça on aura la paix, oui. Je vais au dodo parce que je veux bien. J'en ai assez, comme tu sais toujours quoi faire. Silence, prout, marionnette. Prout. Ouais, Yo-Yo. Prout et reprout. Donc, il devient insupportable, ce reprout. Je veux dire, ce perroquet. Écoute, faut le pardonner, faut lui excuser, alors. C'est pas facile d'être une marionnette, tu sais, si tu saurais, alors. Et alors, c'est facile d'être un clown, peut-être, surtout quand on n'a pas un sou? Oui. Oui, alors, c'est vrai. Pauvre petit nous, il va falloir travailler. Ah non, pas question, hein. Quoi faire, tiens, je sais, on va vendre quelque chose. Vendre quelque chose? Oh oui, quoi? Oui, quelque chose de pas utile, évidemment. Quelque chose de pas utile. Quoi? Oui, tu veux vendre mon manteau? Mais non, pas ton manteau. Oh, oui, vilain des monstres, alors. Ah, tu veux vendre Yo-Yo, le pauvre petit Yo-Yo. Oh, il n'est pas utile. Il est très utile pour moi, alors. Je sais quoi on va vendre, la tirelire. Ça, c'est pas utile, elle est toujours vide, elle sert à rien. Espèce de galoche. Et où on mettra les sous après? Ah, oui, alors, on va vendre la fenêtre, c'est ça. Donc, tu veux vendre notre sortie de secours? La porte, peut-être qu'on peut voir. Ah non, pas question, c'est notre deuxième sortie de secours. Alors. Oui, alors, je sais quoi, l'armoire. Mais où est-ce qu'on se cachera quand on sera poursuivi? Le frigidificateur, on peut le voir. Et quand la chaleur nous crèvera, où est-ce qu'on se mettra? Alors, on va vendre la baignoire. Ah oui, on va prendre notre bain dans le frigo, peut-être. Je sais plus. Oh, j'ai une idée extraordinaire. On va vendre la table et on va coucher sur le lit comme des lézards croqués au plâtre. Je veux dire, on va manger sur le lit, c'est encore mieux, ça. C'est que ça? Des lézards croqués au plâtre. Des lézards... Ah, César et Cléopâtre! Oui. Eh bien non, monsieur! On mangera pas sur le lit comme tu dis.
Parce que moi, j'ai horreur de dormir dans les miettes. Ça gratte. Ou alors, c'est pas difficile. On va garder la table et on va vendre le lit. Et on va coucher sur la table. Oui, c'est une bonne idée, hein? C'est une idée idiote. Pourquoi? Je te répète, j'ai horreur de dormir dans les miettes. Je déteste jamais. Je sais plus, moi, j'ai plus d'idées, pauvre petit moi. Eh bien, c'est bien ce que je disais. Il faut vendre Yo-Yo. Oui, non, alors. Oh, que t'es vilain. Oh, vendre Yo-Yo. Oh, oh, oh. Ça va. Ça va, ça suffit, hein? Il reste ça. Vendre ça? Oui. La petite commode? C'est quoi commode? Mais c'est commode, ça? Bien sûr, c'est commode, c'est une commode. Est-ce qu'on mange dessus? Non. Est-ce qu'on y sert le manger? Non. Est-ce qu'on prend son bain dedans? Non. Alors c'est pas commode. Et une chose pas commode, on appelle ça une chose inutile. Donc c'est ça qu'il faut vendre. Oui, suis-moi. Oh, il est fort dans le raisonnement. Oh, regarde, Gobelet, regarde! Un chef indien! Oh, dis donc, il a l'air intéressé. Et clown blanc, vouloir vendre? Oui, chef. Oui. Chef orteil, oreille de grenouille, vouloir acheter. Oui, alors, ça c'est gentil, orteil de grenouille, il veut acheter, alors c'est gentil d'être intéressé. Allô, allô. Toi, grand chef, pas faire attention. Toi, vouloir acheter. Mais qu'est-ce qu'il me prend? Écoute, grand chef, voilà exactement le genre de commode qui a été conçu spécialement pour un grand chef indien comme toi. Regarde ici le petit tiroir. Là. Pratique pour ranger le calumet de pelle, les griffes d'ours, les colliers et tout ça. Et ici, j'ai un grand tiroir extrêmement pratique, là, dans lequel on peut enfouir la hache de guerre, on peut ranger les peaux d'ours, on peut aussi mettre les queues de castor, etc., etc., etc. C'est pas merveilleux, ça? Non. Non, il dit que... Comment non? Moi, pas intéressé. Bah, dis donc, il se fiche d'un oeil. Oreille de grenouille, vouloir oiseau gros bec. Ah, il veut Yo-Yo. Oh, et alors, mon Yo-Yo, il est pas à vendre, là. Et ça? Ah, ben ça, c'est pour la commode, pour la commode. Oiseau très commode, remplacer tête de totem. Ah, parce que votre totem a perdu la tête. Hic, totem grand hibou. Petite femme hibou venir. Ah oui. Très chouette, très amoureuse. Grand hibou, très excité, perdre la tête. C'est quoi, pas contente? Papouse pleurer. Gna gna gna. C'est triste. C'est plus triste encore, par exemple, de vendre Yo-Yo. Ça, oui. Écoute, ça, sois raisonnable, on a besoin de sous. Et de toute façon, je suis certain que Yo-Yo, il serait ravi. Oui, Yo-Yo, t'aimerais ça être une tête de totem? Et consoler les petits papouches? Ah, réponds. Réponds. Ah, je sais ce qu'il y a. Il ne peut pas parler. Oh, du pauvre, j'aimerais ça. J'en ai assez d'être une marionnette, fais-ci, fais-ça. Oiseau gros bec, parlez! Ah oui, alors, Yo-Yo, c'est pas n'importe quelle bestiole. Oui, attention, attention, ça vaut cher, ça. Ah, oreille oui. De grenouille payée, content. Oh non, je regrette, c'est pas assez, je veux le double. Grand chef, d'accord. Bon, alors la vente est conclue. Viens, mon petit Yo-Yo. Toi, pas ouvrir tout de suite. Surprise. Oh! Vas-y, Yo-Yo, tiens. Écoute-moi, hein. Sois très poli avec le monsieur, hein? On répond oui, monsieur, oui, madame, tout ça. Et ne mets jamais tes doigts dans ton nez. Oui, non, alors. Oui, dis donc, c'est fini, oui. Je veux plus qu'on puisse quoi faire, non? Oh. Salut, grand chef. Hugues! Adieu, Hugues. Bonjour, mon petit porte-plume. Adieu, peut-être. Allez, c'est toi, là. Bonne chance! Oh, je touche du bois. Hugues! Oh, oh, pardon. C'est quoi, le chef a dit, c'est une grande surprise, hein? Ben forcément, c'est classique. La surprise du chef. Ah. Oui, alors, ça fait pas gueuling-gueuling. Y a pas de sous. Et des dollars, ça fait gueuling-gueuling, peut-être? C'est plein de dollars. Oui, alors, on va être centenaire. Peut-être même millionnaire. Oh, extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Oh, une poupée superbelette. Oh, superbelette ou super moufette, mon vieux. C'est pas ça qui nous fera gagner de la galette. Attends un peu, grand chef à la gomme. Il est encore là, de l'autre côté de la rue. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis fait rouler.
je vais me dérouler. Je cours, je vole, je fonce et je défonce, et je te ramène ton petit porte-plume. Oui, Coquelet, tu ne veux pas faire ça. Pourquoi? Oreille de vadrouille, il va te scalpiner. Les coiffeurs indiens, moi, ça me fait pas peur. Oh, que tu es brave. Une chose cependant, reste bien ici, ne t'approche pas de la fenêtre. Pourquoi? Laisse faire, c'est mon plan. Oui, alors, il veut pas que je m'approche de la fenêtre. Et moi, que je suis dévorationné complètement de curiosité. Je sais quoi. Ça va lui jouer un tour. Je vais faire mon portrait dans la fenêtre. Coucou, grand chef, c'est moi. Qui a de la visite? Grand chef, il faut que je te parle. Grand chef, oreille de grenouille, écoute. Bon, eh ben là-haut, il y a mon ami Sol, n'est-ce pas, qui ne veut pas croire que tu es un vrai chef indien. Et moi, vrai grand chef. Oui, d'accord. Fils de grand chef, œil de bœuf. Petit-fils de grand chef, queue de rat. Arrière-petit-fils de grand chef, langue de morue. Oh, vrai, tais-toi, l'oiseau, silence. Mais bon, moi ça va, grand chef, je vous crois, œil de morue, tout ça. Oui, mais il y a ça, là-bas, pour lui, il lui faudrait une preuve. Preuve? Oui. Par exemple, allez, j'ai connu un grand chef indien qui, lui, était un champignon du tir à l'arc. Et quelle année? Il y a longtemps. Oreille de grenouille, champignon, cette année. Non. Et oreille de grenouille, donne épreuve. Clou de noir, où se cacher? Ben voilà, vous voyez l'édifice, là? Troisième étage. Là, troisième. La huitième fenêtre. Huitième. Voyez? Oreille de grenouille, donne épreuve. Oui, alors que c'est joli, oh que c'est joli. Il manque le manteau. Je vous regarde. Tenir ça. Bon, tais-toi, silence, aidé. Oui, alors. Ça, c'est Goblet qui va être surpris, hein. Dis donc, bravo. Coup champignon, très facile. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais mon ami grand chef, lui, c'était autre chose. Il était capable de tirer comme ça, vous voyez, dans le dos. Comme... Oreille ça, de grenouille. C'est autre chose. Oreille de grenouille, faire ça tous les jours. Non. Clown blanc, donnez flèche. D'accord. Voilà. Oui, Yo-Yo. Oh, bravo. Oiseau gros bec disparu. Hein? Ben non, pas disparu, envolé. Et oiseau volé sur flèche. Oui, je suis tout émouvillé de te revoir, petit Yo-Yo. Moi aussi. Adieu, Sol. Comment tu dis ça? Pourquoi tu dis adieu? Tu vas comprendre. Oui. Oh, tu vois ce que je veux dire? Oh, une flèche, Trénor. Oh, vous ne pourriez pas faire attention en bas? Une autre qui s'en vient. Oh. Oh. Je suis mort. Comptez bien dans notre chambrolette mignonnette. Alors, Sol, tu es content d'avoir retrouvé ton petit yo-yo, hein? Sol, où es-tu? Je suis ici, alors. Mais tu peux sortir, Sol, reste pas là, il y a personne d'autre que moi. Ben, ça va, Sol, cesse de faire l'idiot, quoi. J'ai une flèche dans le manteau, je jure. Oh, tu l'es bête. Tu peux sortir sans ton manteau, je te dis, il n'y a que moi. Allons, allons. Hic, hic.
Oreille de grenouille, chef oreille de grenouille appelle tribu. Envoyez guerrier, urgent, urgent, hic, hic. Bon, ça va, cesse de faire l'idiot, quoi. Voilà, voilà, je sors, mais c'est bien pour te faire plaisir, alors. Oh, oui. Pauvre gobelet, t'as fait encore le vilain, c'est sûr, ils t'ont mis en prison. Quoi, en prison, qu'est-ce que tu... Je vais être gentil, je vais être pitoyeux pour toi, je vais venir te porter des oranges. Oh, dis donc, il t'en passe des choses par la tête. Hein? Ça fait pas mal. Hein, non? Tu sens rien? Non, je sens comme d'habitude. Attends. Je sens un courant d'air. Bah forcément, la porte est ouverte. Gobelet, tu peux pas savoir. C'était horriblifique. J'avais très peur. Il pleuvait des flèches de partout, 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 partout. Ah bon, on dirait que la tempête s'est calmée. C'est sûr. Le grand chef doit être à sec de flèches. Guerrier pas pressé. Sûrement venir autobus. Grand chef oreille fine. Entendre sa boue très loin. Salut, grand guerrier! Grand guerrier brave! Clown détraqué, voilà, voilà! Prendre tête de totem! À la poubelle, les joujoux du grand chef! Là! Oui, alors, oui. On pourrait les garder en souvenir, tu sais? Pas question, j'ai dit, il faut les jeter. Allez, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que je fais? T'es drôle alors? T'as dit jette, je jette! Mais pas par la fenêtre! Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah, tu vois, il y a le 11e étage. Ça veut dire en bas, plus bas que ça! Le 10e étage. Mais dis-moi, en bas! Sur le trottoir. Oui! Le trottoir. Qu'est-ce qu'il y a sur le trottoir? Ben, le grand chef! Voilà ce qu'il y a! Oui! Ah! Grand chef, oreille de grenouille, voix rouge, déterré hache de guerre! Oui, alors, ça frappe, c'est de la visite, c'est sûr. Qui c'est? Père Noël, clown ouvrir, avoir beau cadeau. Hic, hic. Oui, alors, c'est le super Noël, bravo! T'as déjà entendu le Père Noël dire clown ouvrir, avoir beau cadeau. Si clown pas ouvrir, Père Noël enfonce ses portes. Oui, alors, il est brut, c'est cette année. Il hein. Y a qu'une chose à faire, il faut faire le mort. Je vais te montrer. D'accord, d'accord. Tout le monde est mort ici. Oui, ça gratte alors. Tout le monde. Hé, hey. Au cachet, oiseau gros bec. Travail fini. Oreille de grenouille, cherchez oiseau. Oh, t'as fini de gigoter comme ça? Oui, alors j'en peux plus, j'ai une crampe. Eh ben, change de jambe. Oh, facile à dire. Oh, oreille de grenouille, entendre bruit bizarre. Gobelet. Clown blanc exagéré beaucoup. Oreille de grenouille, finir travail. Oui, au secours, au secours, au secours, au secours. Une seconde. Oiseau gros bec. Oh, tiens, le gros chef, ça fait
Poisson, gros bec. Oreille de grenouille, coupé clown, petite rondelle. Oh, à votre place, je ferai attention. Oh, oh. Hugues. Ça, c'était un bon tour, alors. Le chef, les deux pieds dans le ciment, pauvre lui. Il peut toujours courir. Comme ça, on aura ses empreintes. Oui, alors. Quoi? Mais s'il peut pas s'enlever de là, ça veut dire qu'il va rester toujours dans notre chambre. Oui, le ciment va durcir. Oui, alors. Faut aller briser le ciment, c'est sûr. Marteau. Marteau. Marteau, marteau, marteau. Va briser le ciment. Moi? Oui, alors j'ai trop peur. Hein? Ah, bon. Ah! Oui, oui, oui. J'ai une idée. Oui, ça sert à rien, t'as pas de flèche. Et ça alors, c'est pas une flèche? La dynamite. Allez, la petite manite, la petite manite. Voilà, 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 voilà. Ça y est. Feu. Feu. Prêt? Prêt, vas-y, hop. Zoom. Qu'on sera bien dans notre chambrelette mignonnette. Ah oui, oui, oui. Dépêche-toi d'ouvrir, je vais. Entrez, voyons, entrez. Faites comme chez vous. Clown très drôle. Boum, boum, amusant. Hic, hic, hic. Le grand chef est tellement content qu'il s'installe ici pour une semaine. Hic, hic. Il veut